émission sont par téléphone Alain Grèche, membre du comité éditorial de la revue Maghreb Mashrek et directeur adjoint du Monde Diplomatique. Avec nous également Sengi Saktar, spécialiste des questions européennes, professeur à l'université Başakşehir à Istanbul en Turquie. Avec nous dans quelques instants Emmanuel Navon, professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. On le surnomme parfois la nouvelle voix d'Israël. Il est candidat en tout cas l'an prochain en 2013 au Parlement israélien à la Knesset, donc sur les listes du Likoud, le parti de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est avec nous pendant toute la durée de cette émission, comme nos autres invités, je vous en remercie. Alain Grèche, Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vous-même, Emmanuel Navon, à la fois professeur de sciences politiques, mais je l'ai dit également, candidat l'an prochain à la Knesset sur les listes du Likoud, donc le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Comment expliquez-vous aujourd'hui ce regain de violence? Certains parlent de préparatifs d'une opération militaire contre Gaza. Hier, le fait que l'on abatte le chef des opérations militaires du Hamas, est-ce que tout cela, arrivant au momentum que l'on sait, après les tensions aussi sur le Golan, met Israël littéralement en état de guerre? D'abord, je dois réagir aux insanités que j'ai entendues de mon prédécesseur qui parle d'agression israélienne. Il y a des agressions du Hamas et des réactions israéliennes de droit d'autodéfense, alors même que des missiles tombent sur les villes israéliennes. Et il y a une politique ouverte de cette organisation terroriste qui est le Hamas, de porter atteinte de façon volontaire aux civils, à la population civile israélienne. Et en ce qui concerne le Golan, là aussi, il y a un dirigeant en Syrie, un dictateur qui est Bachar al-Assad, qui a assassiné plusieurs milliers de ses propres citoyens et qui, pour essayer de détourner l'attention, tire des missiles sur Israël pour faire d'Israël un ennemi commun et détourner l'attention de son peuple vers Israël. Donc il y a autour de nous des pays et des organisations qui ne savent que produire de la haine et du terrorisme, et Israël ne fait que de se défendre et continuera de se défendre. Oui, Emmanuel Navon, le président Obama vient de lancer un appel conjointement à M. Netanyahou et à M. Morsi, donc en direction d'Israël et de l'Égypte, pour en appeler à une désescalade de la violence à Gaza. Comment recevez-vous ce message de la Maison-Blanche dès lors que vous venez de nous dire qu'en quelque sorte, en tout cas, Israël n'est pas à considérer comme responsable d'une partie de cette escalade? Israël n'est pas responsable clairement de cette escalade. C'est le Hamas qui a commencé à tirer sur Israël. Ce sont des faits. Je vous rappelle que les faits sont que le Hamas a commencé à tirer sur Israël sans aucune raison et que Israël n'a fait que réagir. Donc ces appels à la retenue sont complètement aberrants. C'est au Hamas d'arrêter de tirer. Le moment où Hamas cessera de tirer sans aucune raison, Israël cessera ses opérations militaires. Mais appeler aux deux parties à la recul comme si les deux parties avaient commencé à tirer l'une sur l'autre, c'est une aberration. C'est le Hamas qui a commencé à tirer, c'est le Hamas qui est responsable de cette violence, et Israël fera tout ce qui est nécessaire pour défendre ses citoyens qui sont la cible du Hamas. Lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, que vous connaissez, se déclare prêt, affirme être prêt à l'escalade, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Hamas doit savoir que toutes les options sont sur la table et qu'avec des missiles qui sont arrivés ce soir sur Tel Aviv, imaginez si des missiles tombaient sur Bruxelles ce soir. Est-ce que le gouvernement belge laisserait cela sans rien faire si des missiles tombaient de vos pays voisins sur votre capitale? Toutes les options sont sur la table, dont une opération militaire terrestre, comme cela avait été le cas lors de l'opération Lion d'Urcy. Le Hamas avait compris le message à l'époque pendant quelques années. Il semble qu'il ait besoin d'une autre explication. Nous sommes prêts à la lui donner. Je vous propose, lorsqu'il faut établir la géopolitique de la zone, les cartes ont changé au Caire. Nous parlions tout à l'heure de l'appel de M. Obama en direction de l'autorité israélienne, mais aussi de l'autorité égyptienne. Comment analysez-vous la réaction de M. Morsi qui annonce vouloir se rendre à Gaza? Je viens d'entendre pendant 5 minutes de propagande et de mensonges de mon prédécesseur. C'est absolument insupportable en tant que journaliste. Est-ce que vous êtes en train d'interviewer un journaliste? Emmanuel Navon, lorsque je vous pose... Emmanuel Navon, je vous pose... Monsieur Navon, je vous pose une question. Vous faites la propagande du Hamas à la radio belge, ou bien vous posez des questions... Monsieur Navon, si vous voulez... Monsieur Navon, est-ce que je fais l'interview... Monsieur Navon, est-ce que je fais l'interview du politologue ou du candidat du Likoud? Des deux. Donc je vous pose une question. Vous avez vu pour l'instant l'interview
de quelqu'un qui parle au nom du Hamas. Eh bien, je vous demande de vous exprimer au nom du gouvernement que vous représentez, monsieur, puisque vous êtes candidat de la liste du Premier ministre. Comment interprétez-vous la question à propos de la position de l'Égypte, monsieur Navon ? Monsieur Navon, si vous ne répondez pas à nos questions, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre cet entretien avec vous non plus. Eh bien, moi, je ne vois pas l'intérêt de répondre à des questions dans une radio belge où on fait de la propagande. Parfait, monsieur Navon. Je vous remercie d'avoir défendu ici avec courtoisie. Je vous remercie de défendre avec courtoisie. Les auditeurs ne manqueront pas d'apprécier particulièrement le fait que depuis des années, nous vous recevons à cette antenne, monsieur Navon, et que vous venez de nous traiter de radio de propagande, alors que dès le départ, je vous pose des questions sur la gestion politique. Mais il appartient à votre responsabilité de candidat politique de ne pas oublier ce que vous venez de dire publiquement sur cette antenne. Votre propagande, monsieur, ce n'est pas je vous remercie, monsieur. Nous nous quittons sur ces faits. Sengiz Aktar, bonsoir.